Mais voilà, encore une journée terminée. Alors, YouTube. Et bien, comme d'habitude, pour pas changer, il n'y a jamais rien. Bon, allez, c'est décidé, je vais le faire. Allez, let's go. Salut Ludo, tu vas bien? Ça va et toi, tranquille? Qu'est-ce que tu fais de beau? Ben là, comme tu peux le voir, on trouve plus grand chose, c'est les vidéos rétro gaming et tout sur YouTube, c'est mort, on trouve plus rien. Du coup, j'ai retapé toute ma baraque, tu vois, je me suis fait une games room avec, j'ai ressorti tous mes vieux jeux de l'époque et je vais me lancer dans les vidéos sur YouTube, voilà, ouais, c'est parce qu'on trouve plus rien donc. Faut que je fasse ça. Ouais. Ah oui, ok. Oh, ben c'est bien ça, des nouvelles vidéos. Tu vas te lancer dans les vidéos. J'espère que ça va marcher. Voilà. Eh ben écoute, je peux t'envoyer un lien si tu veux ou tu devrais aller voir deux vidéos que je te conseille. C'est sorti il y a un jour ou deux, quoi. Ça pourrait te donner vraiment de l'inspiration pour tes vidéos. Ah ben, c'est cool que tu m'informes qu'il y ait deux nouvelles vidéos parce que voilà, tous les jours je vais voir, je trouve jamais rien. Mais écoute, je vais aller voir ça et voilà, peut-être que comme tu dis, ça me donnera des idées, voilà, pour faire ça. Mais de toute façon, voilà, je suis décidé, je vais le faire. Donc voilà. Ouais, bah ok, super. Bah écoute, dès que tes vidéos sont prêtes, fais signe et je vais venir m'abonner tout de suite et regarder ça, quoi.
Voilà, bonne chance, Sudo. Ouais, bah, je te ferai signe et tu me diras aussi ce que t'en penses. Eh bah, écoute, merci du conseil et je te dis à bientôt, l'ami. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao. Alors, on va aller voir ça directement. Ah ben voilà, deux vidéos. Bon alors c'est parti pour la première. Let's go. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale hors série. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de chemise. Donc qui dit nouvelle chemise dit nouvelle émission. Parce que voilà, les jeux pourris les gars, je ne peux plus. J'en peux plus, j'en fais des cauchemars la nuit. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un style de vidéo que j'aime. Voilà, je vais faire des parodies musicales à l'ancienne. Mais on va perdre du public si on fait ça. Ben non, rien à foutre, au pire on vendra des chemises et des chapeaux Doc du grenier. Donc, sans plus tarder, voici les trois premières parodies musicales à l'ancienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit au mois prochain pour un nouveau DDG. Hey mec, t'as pas l'impression qu'on a abusé sur Fantasia là? C'est tout pourri le jeu. Ah bah c'est sûr, ça vaut pas les jeux de Kojima. Ouais, lui au moins c'est un mec important. Kojima. Ouh, encore une fois. Kojima. Oh. Kojima. Vous avez un problème avec ma manière de travailler? Mais non patron, toi t'es comme nous, nous on t'aime bien, on fait ça pour le fric. On s'en branle des jeux. Précisément. Faire des jeux par passion, être fier de vos créations. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Con et passion font compassion. On est là pour se faire du pognon, même si ça implique de mal faire. Nous parlons de droit d'adaptation. Donne-moi ce clavier, laisse-moi faire. Et cette souffrance des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogrames. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogrames. C'est la fête, c'est la fête, ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement, je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous, on aime bien prendre des coups. Putain de saut, ah bah bravo, mon coyote tombe dans la grotte. Catastrophe, c'est fini, regardez, j'ai plus de vie. Ça c'est pas un jeu pour les fillettes. Ça y est là j'en peux plus, j'en ai vraiment plein le cul. C'est bon j'arrête, je verse ma bière dans mon verre. C'est fou, il y a tellement de jeux que j'ai même pas envie de vous parler, tellement qu'ils sont dégoûtants. Bah t'as qu'à le faire en chanson, ça passera bien. Je sais pas, franchement j'y crois pas là. Comment tu veux que je fasse? Non mais ça a aucune chance de passer je te dis. Même en chanson c'est vraiment répugnant les jeux qu'on doit tester. Regarde ça, comment tu veux que je... Ouais, si un chat là ça peut peut-être passer. Les chats ça rend toujours les trucs plus mignons. Dali, Street Fighter, Gigalog, Jungle Fever, Sex Games, Teenage Queen, mais le mieux c'est Stalker. Mon dieu, je suis sale, c'est fini, moi je remballe. Attends, reste, on a encore, allume ta Nintendo. J'parlerai pas de replay,
pas la peine d'insister, vous ne pourrez pas me forcer. Big Moma, Brad Sajon, Astrobeat, Orgasmatron, sur les noms au moins y avait de l'imagination. Girl Test, Fuck Quest, Fuck the World and Sex XX, restez la bande de cochons, j'ouvre le deuxième carton. Et il en reste plein d'autres. Des jeux japonais, vous n'avez pas idée. Et il en reste plein d'autres. Avec des animaux, c'est bien plus rigolo. Viens découvrir ces jeux au Marathon Geek & Gaming. Vraiment excellent. Franchement, j'aime bien ce petit concept-là. Ça me donne des petites idées. Bon, je vais aller voir la deuxième directement. Allez hop, c'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je suis posé au calme, voilà, parce que j'ai reçu un petit courrier de l'ami Luto qui me dit « Salut Sid, voici deux niveaux de Mario Maker pour te redonner envie d'y jouer et de nous faire de nouvelles vidéos. À très bientôt !» Eh bien écoute Ludo, voilà, j'ai pris note de tes niveaux, on va les faire en let's play directement. Et alors tu me mets « PS, je te joins un amiibo » en cadeau pour compenser la difficulté des niveaux. LOL. Alors voilà, donc tu m'as offert le magnifique Falco. Donc regardez. Voilà, le magnifique Falco. Donc ben, un grand merci à toi. Voilà, il est vraiment magnifique. Il est vraiment classe. En plus, je ne l'avais pas celui-là. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre sur mon étagère avec mes précieux amiibo. Alors, ben, sans plus tarder, c'est parti tout de suite pour tes deux niveaux de Mario Maker. Alors voilà donc le premier niveau à toutes et à toutes. Ah ben ça c'est vraiment un titre qui est vraiment classe, franchement ça fait plaisir, voilà. À toutes et à toutes. Alors, let's go, c'est parti. Alors, d'où Mario Bros 1. Ah, ça c'est vraiment mon Mario préféré. Oh, un excellent Megaman, ça c'est la classe. Oh, mais putain! Bon, alors on a les merdes là-dessus qui vont me tomber sur la gueule. Bah ouais! Allez, let's go! Oh non! Alors on va y aller au calme. On va prendre l'excellent Megaman. Voilà, on dégage les saloperies. Allez hop, let's go. Voilà. Lui, on le dégage. Bon allez, let's go. Oh mais, il y avait le boulet de canon, hein, putain. Des sauts de précision, mon gars. Oh non! Non! C'est pas avec des niveaux comme ça que tu vas me donner envie d'y rejouer. Mais en tout cas, ça fait plaisir, voilà. Un petit niveau, voilà. Hop! Oh, wow, 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 wow. C'est passé, les gars, c'est passé. Voilà, donc cette merde-là, on va pas se faire avoir. Voilà. Regardez-moi tous ces bazars. Wow, 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 wow. Au poil de cul, mec. Au poil de cul. Allez, hop, hop. Ah, mais merde. Ah, bah ouais, là, il y a des saloperies encore. Ah, putain, comment tu veux que je passe? C'est impossible, mec. Oh, oui, oui, je suis passé. Bon, alors. Ah ben bien sûr, il y a des merdes dans ce tuyau. Non, 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 non. Oh, ils m'ont pris en sandwich, les gars. Oh, je suis passé. L'étoile, l'étoile. Non. Putain, je me suis pris quoi, là? Il n'y avait rien. Voilà. On attend, disons, que les saloperies se barrent. Surtout ce bâtard avec sa boule de feu. Ah, c'est... On prend l'étoile. Allez, go, go, go. Voilà, nickel. Du coup, on va aller là-bas. Voilà, excellent Megaman. Oh, une étoile, une étoile. Une étoile, oui.
On va tuer les merdes en bas. Ah! Voilà! Nickel! Voilà. Mais Guise! Mais Guise! Y'avait pas un magique ou pas? Excellent. Voilà dans ta face le magique ou pas! Dans ta face! Bon alors, hop. Un long tuyau qui descend, hein, ça me semble piégé tout ton truc. Bah il y a des pièces. Bah ben, je risque. Voilà, classe. Allez, on va tuer les merdes là. Un champignon. Bah ouais, c'est sûrement un... Oh, oh, deux. Waouh, c'est quoi ton truc de psychopathe, mec? Wow! Il y en a un, il a dégagé à la grenade, on sait pas comment. Et c'est chaud, ça. Attendez, on va aller voir. Oh non! Vas-y, je fonce tant que je suis translucide. Et le truc de psychopathe, mec. Bon, alors, on va reprendre l'étoile. L'étoile. On va dégager ça. Ce qu'on va faire, on va essayer de monter directement. Oh, vite, vite, voilà. Oui, oui, voilà. Oh. Tout juste, les gars. Bon, alors. Oh. Ah, l'excellent Megaman. Il a mis des excellents Megaman partout. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut passer par là. Ah putain, arrêtez les gars avec vos notes de musique parce que c'est exagéré. Ah mais comment tu veux que je monte là-dessus? Wow! J'ai sauté, mec! Voilà, au calme, ça c'était du bien joué. Eh bien, ben, super Ludo, ton niveau. Donc ben, on va enchaîner directement sur le deuxième et j'espère qu'il sera un petit peu plus dur pour compenser l'amiibo que j'ai explosé. Donc c'est parti. Alors, c'est le niveau de Jean-Jean. Voilà, niveau de Jean-Jean. Ah, ça, c'est cool, encore une fois, comme nom de niveau. Bon, j'espère, par contre, que le niveau sera un petit peu plus simple. Voilà, sinon, je vais encore devoir me taper 4 heures de montage pour faire la vidéo. Attendez, on peut peut-être monter par au-dessus. Voilà. On prend l'étoile. Ah ouais, faut vraiment sauter. Ouais, bon, une vie, on s'en bat les couilles. Allez, go, go. Non, non. Vous voyez, voilà, on veut sauter. Et il fait un putain de job de merde. Voilà, bon, encore des saloperies. Ah! Le connard. Voilà. Faut arrêter avec ce New Super Mario Wii U. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Je le redirai toujours sans arrêt. Ah mais putain! Voilà, voilà, tu veux sauter, il fait un wall jump de merde. Et voilà. Ah, t'as beau être avec une étoile et t'as beau être grand avec un champignon, tu tombes dans la lave, t'es mort. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, on était arrivé ici. Waouh, mais c'est chaud là. Ah! Des frères marteau. Hop, deux pour le prix d'un, les gars. Bon, s'il y a peut-être un champignon là-dedans, ce serait cool. Ah, ben voilà, impeccable. Ça tire des merdes sans arrêt. Ah non, mais... Putain, faut pas faire ça, c'est... C'est de la merde. Porte secrète.
Ah, l'espèce de triple saut là dans Mario. Est-ce qu'on peut... Ouais, non, bon. Ah, ouais, un wall jump. Voilà, c'est toujours des conneries, des wall jumps. Bon, il y a une flèche, on va aller voir par là. Ah! Des pics au-dessus du vide. C'est pas du bien de jouer, ça. Bon, alors ici, on va faire gaffe aux pics. Encore une fois, c'est pas du bien de jouer. Oh! Alors, ben voilà. Le pire truc de ce Mario, c'est les wall jump. Oh! Oh, mais comment il a glissé? Comment il a glissé? J'étais sûr. Ah ben oui, bien sûr, on va arriver avec ces... Les lames de scie avec les... Oh, mais putain, je vais sauter dessus, là! Mais je vais sauter dessus, hein! Voilà, voilà, comme ça, au calme. Oh, mais putain! Oh! Vous voyez comment il glisse? J'ai encore failli... Voilà, allez, c'est bon. Bon, je risque ou je risque pas, les gars? Parce qu'il y a que des saloperies dans les points... Ah, mais voilà! Ça, c'est du bien joué! Bon, allez, c'est putain de wall jump de merde. Je déteste ça, les gars. Ah, mais t'es obligé de te faire toucher, là. Oh, oh, oh. Oh non! Ah, en plus, cette note de musique qui vient te perturber ton gameplay. Voilà, oh! Ben non, voilà. On fait pas du ski, Mario, putain! Ah, les gamepads de merde, hein, ça dégage à la grenade. Alors, Ludo, ton niveau, c'était vraiment de la merde. Avec le respect, évidemment. Oui, allô? Allô? Ouais, c'est quoi cette vidéo de merde, là? Non, non, faut arrêter tout de suite, c'est complètement pourri. Les sites cassent, ça n'a pas marché, mec. Donc, tu peux repomper tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis amené éternellement, hein, et je suis attaché éternellement au non-buzz. Quand même, hein, quand même, merde quand même. Donc, ne repompe pas mes concepts, crée tes propres concepts, parce que ça ne marchera pas si tu repompes ce que j'ai fait. Je ne buzz pas, ok? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu arrêtes ta vidéo pourrie maintenant, hein, on n'en parle plus, ok? Et dernière chose, parce que c'est juste insupportable, arrête-moi cet accent belge. C'est nul, non mais c'est nul, ça ne fait pas rêver les gens. L'accent belge c'est dégueulasse, ça fait marrer les gosses à la limite 3-4 minutes, hein. À un anniversaire tu peux faire le con pour faire marrer les gamins, mais ça s'arrête là. L'accent belge ça fait pas rêver une seconde, hein. À la limite l'accent québécois je veux bien. Il y a un côté chevaleresque, on est bon, mais là l'accent belge je suis pas d'accord. Donc tu arrêtes ta vidéo de merde maintenant, hein, et moi excuse-moi mais je vais te raccrocher à la gueule parce que tu m'emmerdes. Salut.